Canal+ a délibérément ignoré les supporters congolais lors de la demi-finale qui opposait les léopards de la République démocratique du Congo aux éléphants ivoiriens. En pleine Coupe d'Afrique des Nations, pour le compte de la demi-finale, les supporters congolais ont voulu faire passer leur message suite au massacre injuste et barbare dont sont victimes des populations de la partie est de ce pays de la part d'un mouvement rwandais dit M23, qui, en réalité, est une coalition internationale de l'armée rwandaise, des mercenaires français, anglais et américains contre le Congo, juste pour lui exproprier ses richesses au profit des puissances occidentales, des États-Unis et du Rwanda. Hélas, avant la rencontre, le groupe français dit Canal+ avait déjà donné des instructions claires à ses techniciens, ne pas filmer les Congolais de peur que le monde ne voit réellement ce qui s'y passe. Tout ceci alors que la RDC compte plusieurs millions des morts depuis plus de 30 ans dans une guerre fabriquée de toutes pièces dans des officines internationales et exécutée par le Tutsi, Kagame, président voyou du Rwanda. Canal plus empêche aux Congolais d'exprimer leur ras-le-bol alors que la RDC compte parmi les pays qui consomment le plus. Ce groupe terroriste dit Canal+, cela étant, les autorités de ce pays doivent au moins faire preuve de sérieux en coupant le signal de cette connerie française au Congo pour dire son indignation. Les programmes de CES Media ont pour but de vous endormir, vous garder dans la distraction, vous empêchant d'utiliser votre cerveau. Ensemble, brûlons nos décodeurs Canal+ et chassons ces haies rebelles de l'Afrique. Soutenir le groupe Canal+ en Afrique, c'est cracher sur la mémoire des nombreux Africains massacrés à travers le continent, et en particulier en République démocratique du Congo. Ceci est une vérité, puisque la France tire des millions de dollars chaque mois des pauvres citoyens qu'elle utilise ensuite pour l'effort de guerre, pour soutenir les terrorismes au Sahel et en RDC. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.